Traffic. Because I have control. Checked. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We had to fly a go-around due to a light aircraft crossing our flight path and endangering flight safety. Une excursion en avion, quoi de plus excitant pour les passagers ou pour la famille et les amis du pilote? Pour de nombreux pilotes, c'est l'occasion rêvée d'atteindre le quota annuel d'heures de vol. Mais le pilote est aussi particulièrement sollicité lorsqu'il emmène des passagers avec lui. Le risque d'être distrait s'accroît d'autant, ce qui peut déboucher sur des situations délicates. Airliner 100, turn right heading 110, descend to 5,000 feet on QNH 1007. Cleared aisle approach runway 14. Un avion de ligne reçoit du contrôle aérien des consignes sur le cap et la hauteur de vol à suivre et l'autorisation d'effectuer une approche en piste 14 à Zurich. Flaps 2. Speed check, flap 2. Entschuldigung, darf ich noch bitte die Tasche in den Sitz tun? Danke. Ja. Nein, mit schon wieder so ein. Airliner 100. Le contrôleur aérien aperçoit sur l'écran radar un petit avion qui se trouve dans une zone de contrôle sans en avoir reçu l'autorisation. Il informe l'avion de ligne de la présence de cet intrus. L'équipage de l'avion de ligne détecte le petit avion sur ses instruments de bord. Par beau temps, des dizaines de pilotes emmènent des passagers faire un tour dans le ciel suisse. Il est important de bien préparer le vol. Les passagers peuvent émettre des souhaits particuliers, bombarder le pilote de questions et lui parler à un moment critique. On a vite fait de s'écarter de la route prévue. Airliner 100, conflicting traffic, 11 o'clock. Position 4 miles, knob on the frequency, altitude about 4,300 feet. Airliner 100, roger. Traffic. Because I have control. Checked. Climb. Airliner 100, TCAS RA. Letter drauf. Flight track drauf. Clear of conflict. Okay, go around flaps. And go guys, let's go around track. Flap 1. Airliner 100 going around climbing 7,000 feet. Airliner 100, roger. Vous venez d'assister à l'un des 359 non-respects des règles de l'espace aérien annoncées en Suisse en 2015. Chaque cas est un cas de trop. Et des notes d'un mauvais comportement de pilote. Airliner 100, follow missed approach procedure to Amici. Expect next approach in 20 minutes. Airliner 100 will follow standard missed approach procedure to Amici. First climb, open climb. F3. Positive climb. Gear up. Gear up. Speed on stop. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. As you might have noticed, we have to carry out a go-around. The reason for the go-around was a small aircraft crossing our flight path and endangering flight safety. We have to expect now a delay of approximately 30 minutes. For your connecting flights, please contact the cabin crew. I do regret this delay and thank you very much for your understanding. Les incursions non autorisées dans les espaces aériens contrôlés peuvent avoir des conséquences non négligeables, comme des retards,
des coûts liés à la surconsommation de carburant, des correspondances manquées et un surcroît de stress pour tous. Elle constitue en outre un risque pour la sécurité aérienne. Bien préparer son vol, rester concentré et rester en contact avec le service d'information de vol, autant de facteurs qui permettent d'éviter ce genre de mésaventure. Oh! Ah, das war ein schöner Flug. Das war super. Aber war das geplant, dass wir so nah an die Linien fliegen? Nein, das hätte eigentlich nicht passieren sollen. Aber ich habe mich zu fest ablenken lassen. Und nachher sind wir unbeabsichtigt und ohne Bewilligung von der Flugsicherung in die Kontrollzone eingeflogen. Das war schon nicht so gut. Ja, aber. Das Wetter war schön, guter Flug haben wir gehabt. Super. Das wäre schön. Und dann geht es über den Gletscher, wie versprochen. Gletscher landen, wie du gesagt hast. Genau. Mit dem Robin.